Salut mes amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un bruit qui fait lorsque je démarre ma Peugeot 207. Si vous avez ces bruits-là, ces bruits moteurs-là, je vais vous montrer tout de suite. Vous saurez déjà diagnostiquer votre véhicule. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vais vous demander pour s'abonner, laissez-moi votre commentaire, laissez-moi votre like. Là, je vais démarrer la voiture. Vous allez entendre un bruit. Un espèce de cuiment, ça cuine au fait. Regardez ces bruits-là. Donc ça cuine. On va devant. Bon, là, regarde ça. Déjà, avant tout ça, regarde ça. Cette belle Jaguar. Cette belle Jaguar qui est dans mon garage. Ça fait plaisir. On n'a pas que ça. On a aussi cette belle Porsche. Regardez ça mes amis. C'est une Porsche Cayenne. Moteur 3 litres. Voilà, en revenant sur notre point. Donc voilà. On va voir ça. Est-ce que vous entendez un petit cuinement? Ça cuine en fait ça. Ça cuine. C'est la croix moteur qui commence à être fatiguée. Donc voilà, on va éclairer ça. On a la croix là-bas. La croix accessoire. Donc c'est elle qui est fatiguée. Il fait ce genre de bruit-là. Donc c'est l'espèce de cuiment. Ça cuit pour vous démarrer le moteur. Donc voilà, là ça ne fait pas beaucoup parce que moi j'ai mis de la W40 pour savoir si vraiment c'est votre courroie, elle est morte, vous faites comme ça mes amis, vous mettez de W40, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse, la W40, il est super bien, pas que ça, hein. c'est pour dérouiller les choses, ils sont bien, donc vous mettez un peu. Vous mettez un peu sous la courroie. Et là, vous entendez plus rien. Si vous faites ça, vous mettez un peu de produit, la W40, sur votre courroie. Et le bruit, ça s'arrête. Donc, vous pouvez être sûr que c'est la courroie qui est morte. Le courroie plus le kit, en fait. Il y a un kit courroie avec les galets Tender Company. Donc voilà, les amis. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.